Family at School of Love and Sri Laigul. We all human beings search for happiness. Bonjour, je me nomme Moïle Wilfried et je me prénomme Yverdon Ulrich. Je viens devant vous en tant que membre de la Fédération congolaise de Tongil Mudo. Et nous allons échanger sur notre speech qui sera centré sur les causes et résolutions des conflits. Dans les causes et résolutions des conflits, nous allons parler sur le désintéressement et l'égoïsme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que le but de l'ensemble doit toujours être en paix et non le but individuel en premier par rapport au but de l'ensemble. Dans le désintéressement, le vivre pour les autres développe dans l'être la maîtrise de soi, le service, l'impartialité, la générosité, le pardon, l'humilité, et c'est là la base de la bonté. Passons. Choix individuel, résolution ou répéter les conflits passés. Que cela soit dans le présent ou dans le futur ou dans le passé, chaque personne transmet soit le problème, soit la résolution, soit la solution. Base de la résolution des conflits. État d'harmonie, état de conflit, restauration, état d'harmonie. Conditions d'indemnité, effort pour inverser le processus par lequel l'harmonie originelle a été perdue. Passons aux premières étapes. Les premières étapes, réflexion et réorientation. 1. L'égoïsme au désintéressement. Considérez comment on aurait pu traiter le problème différemment. Ce qui pourrait être mieux fait la prochaine fois. Décider d'assumer la responsabilité de sa contribution au conflit. Planifier comment faire une amende honorable. Passons à l'étape 2. L'étape 2, renversement et restitution du tort à la raison. Inverser tout ce qui affecte que l'autre se sente blessé et violé. Faire une restitution pour réparer le dommage causé. Être ouvert à recevoir une restitution. Corriger l'injustice. La troisième étape. Dans la troisième étape de réconciliation et renouvellement, on nous parle de relations brisées aux relations amoureuses. Renoncer à prétendre à des représailles. Pardonnez et soyez ouvert pour recevoir le pardon. C'est résoudre à aider l'autre au changement, favoriser la bonne volonté. Responsabilité de l'offensé et de
et de l'offense. Offenser, admettre le tort, faire une restitution, continuer jusqu'à ce que vous soyez pardonné. La responsabilité de l'offensé, considérer sa faute, accepter la restitution, pardonner. Une personne peut occuper les deux rôles. La valeur de la résolution des conflits. Libérer du temps et de l'énergie pour créer et progresser. Mettre fin au gaspillage des ressources impliquées dans la défense et l'agression. Guérir et libérer l'individu. Je vous remercie.